Bienvenue! Aujourd'hui, nous allons manger un petit déjeuner classique français. J'ai invité Marie pour prendre le petit déjeuner avec moi. Marie, aimes-tu le petit déjeuner? Oui, j'adore le petit déjeuner. C'est mon repas préféré. Le petit déjeuner français est très sucré. On va commencer par les viennoiseries. Les viennoiseries les plus classiques sont le croissant, le pain au chocolat et le pain au raisin. Marie, laquelle veux-tu manger en premier? J'hésite. J'adore les pains au raisin, mais ils sont très sucrés. Donc je pense que je vais prendre un croissant. Excellent choix! Je suis plus gourmande, donc je vais prendre un pain au chocolat. Mais il n'y a pas que les viennoiseries qu'on mange au petit déjeuner. En France, on mange aussi des tartines. Ce sont des tranches de pain sur lesquelles on étale plus ou moins ce qu'on veut. Il y a des confitures. Quel parfum, les confitures ? Il y a de la confiture de mûre, de la confiture de fraises, un grand classique. Il y a aussi de la pâte à tartiner chocolat noisette. Ça a l'air délicieux. Et il y a aussi du miel et du beurre. Et pour ceux qui sont gourmands, vous pouvez mettre du beurre avec de la confiture. Oui. Alors Marie, que vas-tu mettre sur ta tartine? Je vais commencer par choisir le pain pour ma tartine. Quel pain peux-tu me proposer? J'ai trois sortes de pain à te proposer. Il y a du pain de campagne, il y a de la baguette, mais il y a aussi des biscottes. Je pense que je vais prendre une tartine de pain de campagne. Et toi? Je vais prendre un morceau de baguette bien fraîche. Excellent choix! Je vais mettre du beurre avec une couche épaisse de confiture de fraises sur ma tartine. Et toi? Moi, je vais rester dans la gourmandise et le chocolat, donc je vais mettre de la pâte à tartiner au chocolat. C'est délicieux! Pour accompagner ce petit déjeuner, j'aimerais bien une boisson chaude. Que peux-tu me proposer? Pour les boissons chaudes, je peux te proposer du thé ou du café. Qu'est-ce que tu préfères? J'adore le thé, mais pour bien démarrer la journée, je vais prendre du café. Comment tu prépares le café? J'utilise du café moulu et je le prépare dans une cafetière à piston. Parfait! C'est la meilleure façon de préparer du café. Voilà ton café. Voudrais-tu un jus de fruits avec? Je peux te proposer du jus d'orange et du jus de pomme. Je trouve le jus de fruits trop sucré. Mais je vais quand même prendre un verre de jus d'orange. Et toi? Tu vas prendre du jus? Je vais prendre un verre de jus de pomme. Marie, d'habitude, que manges-tu au petit déjeuner? D'habitude, je ne mange pas de viennoiserie, ou peut-être uniquement le week-end. En semaine, je préfère manger des flocons d'avoine, des céréales ou du muesli. D'accord. Et quand tu prends des céréales, tu les prends avec du lait ou avec du fromage blanc? En général, je préfère les manger avec du fromage blanc ou avec un yaourt parce que ça conserve le croquant des céréales. Et toi, qu'est-ce que tu manges d'habitude au petit déjeuner? D'habitude, les jours de semaine, je ne prends qu'un café au lait. C'est tout? Pourquoi? Parce que je n'ai pas le temps. Mais le week-end, ça m'arrive de prendre des viennoiseries. Et tu ne manges jamais de fruits le matin? Parfois, il m'arrive de prendre une pomme
ou une banane sur la route, car c'est quand même important de manger des fruits. En effet. Alors, Marie, tu as aimé ce petit déjeuner? Oui, c'était très bon. Je me suis vraiment régalée. Merci beaucoup.